Bonjour à tous, euh, bienvenue sur euh, ce nouvel épisode du Let's Play où on va peut-être enfin pouvoir régler une fois pour toutes notre problème d'énergie. Alors vous voyez il n'y a plus rien, euh, tout simplement parce que je me suis retrouvé pris avec un bug qui, qui est au final assez connu puisque j'ai trouvé des explications sur, euh, sur internet, or sur les forums en anglais plutôt. Euh, quand vous prenez la lave du Nether, euh, un Chunk Loader plus des Undertanks, en fait, il euh, y a un petit souci, tant que les sources de lave sont euh, dans l'air du chunk loader, tout va bien, ça pompe et ça a effectivement marché un temps. Euh, sauf qu'arrive un moment où les sources ne sont plus dedans, et euh, même si on étend le chunk loader, hein, on finit toujours par, par capter. Et donc ça n'assèche pas le, le nether sauf à être dedans. Euh, donc je me retrouvais à faire sans arrêt des allers-retours dans le Nether pour euh, remplir mon tank, euh, venir le vider ici et ainsi de suite. Donc ça n'avait absolument aucun intérêt. Euh, courir après les puits de pétrole c'est sympa, mais euh, au bout d'un moment on va finir par être à court. Donc ça n'a rien de, de renouvelable, même si c'était beaucoup plus swag de, de faire euh, avec du, du, du pétrole. Il euh, y avait bien l'option biomasse, mais c'est assez compliqué pour obtenir une production infinie de, de biomasse. Hein. Euh, puisqu'en fait euh, pour la biomasse euh, voilà euh, il faut des, des capsules ça ça peut encore euh, ça, ça peut encore euh, ça peut encore faire le mais c'est surtout que il faut donc le fermenteur ça aussi ça peut encore faire mais il faut soit du compost euh, soit de l'humus euh, donc pff. Bon, au final, euh, ça avait l'air compliqué. Et puis j'en discutais avec, euh, avec euh, Pandore, enfin Floppy, euh, Play Floppy euh, maintenant. Euh, et je lui disais que j'avais euh, du bois, ne plus quoi savoir en faire euh, avec mes fermes Forestry. Et il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas du tout simplement du charcoal avec des générateurs de, de base Eh ben oui, c'était tellement simple que je n'y avais pas du tout pensé. Euh, donc dans cet épisode, et eh ben on va, on va enfin résoudre nos problèmes énergétiques. Enfin j'espère. Euh, de toute façon, je vous l'ai promis, il y aura le réacteur nucléaire. Bon, j'ai commencé à faire des tests en, en créative. J'en ai deux compétés pour l'instant. Euh, c'est assez fun, mais euh, je pense qu'on l'installera loin de la cité dans un premier temps. Mais c'est surtout que ça bouffe des, des quantités de ressources et les crafts euh, sont très compliqués. Donc là, j'ai modifié un peu, si vous vous souvenez, euh, le trop plein euh, initialement initialement se déverser euh, je pense que ça, ça va être plein aussi voilà donc le trop plein initialement se déverser dans des, des void pipes hein, comme celui là maintenant ils vont tous dans euh, un under chest euh, qui est avec qui a trois couleurs euh, le voilà ici en tout petit donc euh, marron 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 forcément c'est du bois hop et donc on va pouvoir s'installer notre usine à charcoal, et qui va ensuite alimenter toute une batterie de toute une batterie de, de générateurs. Donc on retourne, on, on, va pas, on va pas faire ça bien compliqué. Hein, ça sert à rien de, de courir des kilomètres. Même si c'est exactement ce que je suis en train de faire. Euh, donc on va peut-être pas s'installer là parce qu'il bah, va nous falloir un petit peu de place. Mais on va s'installer ici. Donc voilà, la MFSU de, de départ du circuit est ici. Elle est chargée. Hein. Euh, je pense d'ailleurs que les autres... Il euh, y a au moins celle-là qui devrait être pas trop mal. Ouais, voilà, ouais, un million. C'est les, les panneaux électriques, là, qui cherchent tranquillement. 18 millions, plutôt, non Ouais, 18 millions, ça, va, ça commence à... Ça. Ah, j'ai raté le truc. Ça commence à ressembler à, à quelque chose. Euh, ouais, si, c'est bon. Donc on va installer les générateurs, je pense, plutôt par là, et notre usine à charcoal notre usine à, charcoal, euh, notre usine à charcoal ici. Donc on va commencer par l'usine à charcoal, on va mettre donc, notre under chest. Euh, donc il va me falloir ça, il va me falloir ça, il va me falloir des fours que je vais booster avec ça. Euh, et le temps du raccordement on va couper le courant parce que sinon j'ai mes fours qui vont exploser donc 1, 2, 3 ouais bah ben on va se les installer là tranquillement voilà comme ceci j'ai toujours un petit stress euh, des fois en branchant en me disant je sais pas t'as peut-être fail euh, quelque chose mais non donc j'ai fait des j'ai fait des overclockers euh, de manière à ce qu'il tienne sans problème le, la haute tension. Voilà, donc logiquement on va pouvoir raccorder, on va laisser, laisser celui-là, voilà, là on va raccorder en fibre. Alors j'ai toujours des petits bugs, vous euh, voyez, il est bon hein, mon tuyau, mais euh, bon, ça ne se, ça se voit pas. Voilà, vous voyez, il, il s'est rétabli. Euh, donc évidemment il va falloir extraire, donc il va falloir aussi amener. Euh, donc pourquoi 4 fours euh, Parce que j'ai 4 types de bois différents. Et, euh, et si j'ai déjà un peu de bois dans un four et qu'il y a un autre type qui arrive, hop, le, le, le truc pop et, euh, et on perd tout. Donc on va s'installer, on va récupérer un chaque. On va s'installer un petit filtre avec des, des diamond pipes. Alors j'ai pas trop euh, comment je vais pas trop sophistiqué hein, euh, parce qu'en fait là vous avez l'impression d'en avoir beaucoup c'est parce que c'est vrai que ça s'accumule avec le temps mais euh, on va vu le taux de production on va quasiment être à flux tendu euh, ça va, dans la phase de démarrage il va falloir que j'enlève du bois sinon ça va ça va jamais faire donc en bas ah, super qu'est ce que j'ai mis comme euh, oui, bah, aucun intérêt ça, à chaque fois je me fais couillonner voilà donc c'est le bleu et ça bug donc hop le hawk ici au dessus on va mettre jungle wood on s'en fout il hein. n'y a pas il n'y a pas vraiment d'ordre et tout là haut le spruce voilà tout le monde est casé euh, reste ensuite à raccorder ça alors j'ai éloigné un petit peu euh, c'est tout bêtement pour euh, euh, pour accélérer un, peu les, accélérer un peu les items. Voilà, donc logiquement, là je vais pouvoir mettre une autorite gate et lui dire que si il y a des items dans l'inventaire, on va juste faire un test avec un single energy pulse, être sûr que tout va bien et logiquement, bah celui-là doit aller en bas. Et il se fait transformer en charcoal, magnifique. Ensuite, il va évidemment falloir qu'on extrait tout ça tout bêtement je suis bête euh, et donc pour éviter que ça se trimballe dans tous les sens euh, il va falloir que je mette des iron pipes et ça me fait penser que j'ai oublié de prendre ma clé euh, parce que ces machins là ça fait rarement le plaisir de voilà ben voilà il me faut ma clé euh, bon ce poids longe pour faire des lips pour aller la récupérer ça sert à rien voilà, il y a un petit peu de bruit dans la, dans la maison parce qu'on est en train... Je tourne le 31 et nous sommes en train de préparer le réveillon. Alors, alors qui n'est pas chez nous, mais bon, il euh, faut quand même bien filer un petit coup de main de temps en temps. Alors, on continue. Voilà. Donc là, celui-là va bien là, celui-là va bien là, c'est celui-là qui n'est pas bon. Voilà. Ok, bon, donc là, logiquement, on a... Il euh, faut aussi que je mette des gates, Voilà, J'avais pile poil le nombre. Donc, quand il y a des items dans l'inventaire... Ah oui, alors, vous voyez, euh, ça, c'est propre machine industrial craft. Euh, avec les gates, euh, on peut gérer très finement. Donc, capacitor, c'est la petite résistance interne hein, qui peut être chargée ou déchargée. Euh, donc, il a l'énergie, il y a l'espace pour l'énergie où il est plein et euh, ça même si ça sert pas avec un four mais ça peut servir avec d'autres euh, c'est pour savoir si ça charge ou si ça décharge des items machine on machine off et vous allez voir pour les générateurs on a une petite option très pratique qui est le fuel voilà donc là ça va éjecter notre euh, items in inventory items in inventory et items in inventory du pont voilà donc notre charcoal s'est fait éjecter rien que rien que de très normal alors j'ai pris des trucs j'ai pris aussi de quoi faire un petit montage un peu plus swag donc en fait vous allez voir le, le système en lui-même est, est très simple euh, on va faire en fait une, une sorte de boucle infinie euh, donc là on va les bon, sur le bord hein. voilà comme ceci on va installer nos générateurs je sais même plus combien j'en ai de générateurs j'en ai 22 donc ça va me faire 11 3 2 5 euh, quoi que quoique 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 attendez que je fasse pas de bêtises 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 et 11. Voilà. Donc là, on va avoir nos générateurs. Euh, donc il va falloir... Non, il faut que j'aille un coup plus loin. Voilà. Donc là, nos générateurs vont démarrer là. Les autres vont être ici. Donc en fait, toute l'astuce va consister à injecter le, euh, le charcoal dans une boucle infinie. Et sous chaque générateur, vous allez avoir un iron pipe. Euh, qui va qui va automatiquement s'ouvrir euh, quand le, 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 le générateur a besoin de a besoin de, de comment de, de charcoal de carburant euh, donc on va on va ouais on va, on, va, on va injecter comme ça on va faire la boucle infinie par ici Alors, il me faut juste de quoi faire le de quoi faire mon tour Bon écoutez, ça doit, là ça devrait être bon, ça devrait me mettre pas mal. Euh, ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Euh, je dois... Non, là je vais éviter parce que je vais pas pouvoir la... Ou alors j'installe directement pour pouvoir la régler. Parce va quand même falloir un bout de, de tuyau en or pour, pour, bien accélérer, pour bien accélérer ça. Donc on va faire tourner ouais, dans ce sens-là plutôt. Euh, donc là, si c'est bon, ça va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer tout de suite. Parce que sinon c'est coincé dans l'angle. Alors forcément, euh, c'est pas pratique. Ok. Euh, donc toute l'idée, c'est de prendre une Iron Gate. Euh, voilà, je peux dégager ça. Voilà, donc là on va dire no fuel, has fuel. Donc s'il n'y a pas de fuel, tu, le tuyau vers le up, vers, donc vers le haut, et sinon on va, façon bah, il y a qu'une direction, c'est vers le sud, c'est bon. Donc voilà, donc s'il a besoin de fuel, le lion pipe va s'orienter automatiquement. Donc les charcoles qui tournent, hop, va buter, ne peut aller que là. Après il se débloque et, euh, et ainsi de suite. Donc ce que je vous propose euh, maintenant que le principe est établi, je pense que je vais finir d'installer, je vais vous le faire en, en accéléré. Allez à tout de suite. Donc le, notre installation de base est, est en place. Donc il y a des iron pipes histoire de, histoire de verrouiller le, histoire de verrouiller le trajet. Donc la seule chose qui manque maintenant, bah, c'est que c'est bien d'avoir des générateurs. Encore faut-il, encore faut-il euh, qu'ils sortent de l'énergie. Ça peut être quand même plus sympa. Donc toujours les, les petits bugs. Ça c'est, pardon. Ouh j'allais dire un gros mot. C'est assez pénible. Du bac d'affichage euh, peut-être qu'il y a des options d'optifine hein, j'en sais rien euh, voilà donc pour l'instant on va on va rien ranger on va déjà vérifier que le, le système fonctionne et oulala oulala ou là là oulala dans euh, l'idéal faut garder qu'un stack de chaque On va se mettre à pomper. Voilà, énergie plus Hop, Toi tu descends. On va leur injecter euh, petit à petit. Hein. Euh, parce que sinon les, les fours vont vite euh, vont vite saturer. Hein. D'ailleurs, peut-être les varier. Hop, voilà. Et donc voilà, vous voyez Forcément, ils vont s'allumer dans, dans l'ordre hein, au fur et à mesure que les charcoles arrivent. Là, c'est impeccable, ça. Donc ça, ça dépot pas, pas trop mal. Je suis pas sûr que ça nous fasse pas un peu de, un peu de soucis à déborder euh, face de lancement. Bon, hein, vous voyez, parce qu'après, ça se vide bien plus vite que ça ne se remplit au final. Hein. Oh, on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal on va pouvoir remettre un peu de spruce voilà euh, donc je pourrais utiliser un emerald pipe euh, pff, ouais non il n'y a aucun intérêt parce que une fois que ça va être vidé euh, ça arrive par série de 8 6 à 8 1 hein, donc euh, c'est pas énorme par contre ça ouais, c'est une bonne productivité quand même Ah, donc vous voyez, mes fours ils s'allument, euh, mes fours, mes générateurs s'allument euh, petit à petit. Alors des fois il y a plusieurs charbons hein, qui, qui vont s'enquiller, euh, qui vont d'un coup. C'est pas bien grave, ça va pas saturer puisque le, je le... Euh, sais même plus quest que c'était, voilà. Parce que de toute façon le... ça ne va pas se réactiver au niveau des pipes en bas tant que le, alors je vais pas remonter, je vais juste attendre d'être sûr que tous mes mes programmations sont bons. Bon, ça consomme assez vite, hein, euh, donc faut, faut sans arrêt re remplir. Je voudrais juste euh, être sûr que ouais, ouais le problème, vous voyez, c'est que ça, ça finit par ralentir dur à un moment donné. Hein. Ouais. Euh, donc je pense que je, je referai un peu ma, je referai un peu mon circuit de manière à, à remettre un petit peu plus de, de golden pipe voilà et donc vous voyez ensuite les excédents vont tout simplement euh, se euh, faire le tour jusqu'à être, jusqu être consommé bah, écoutez on y est presque juste vous montrer aussi j'ai fabriqué donc des façades les façades euh, je sais pas si on peut le voir là dedans je pense pas ça se fait avec euh, l'assembly table ça va assez vite ouais non ça marche pas le c'est des trucs que je faisais pas tellement, donc ça va avec les... On va juste reboucher ça là. Voilà. Ça va donc avec les les... les... Comment les les tuyaux, Billcraft Vous allez voir, moi j'aime bien, ça fait ça fait un petit peu trappe de visite. Ah ouais, ça... donc sauf qu on... sauf qu'on se fail. Vous pouvez en mettre sur tous les côtés exactement ce que je suis en train de faire. Non, genre je gaspille. Et voilà voilà donc ça finit d'habiller moi je trouve ça je trouve ça je trouve ça assez sympa j'ai dû laisser ma bouffe à l'atelier bah ben, c'est pas bien grave donc voilà les amis le notre usine à générateur est en marche on va juste vérifier que Hop, ça charge bien donc pour ça il suffit juste on va juste déconnecter les panneaux solaires et on va vérifier qu'ici ça se remplit tranquillement 20 millions nickel donc évidemment mes fours électriques consomment un peu un peu d'énergie mais bon c'est euh, globalement doit être à peu près gagnant hein. puis là en plus ils, ils font ils produisent vachement de, de charcoal. Les amis euh, plantage royal de, de Minecraft mais bon ça va j'ai j'ai pas perdu euh, j'ai pas perdu mais Juste à la fin de l'épisode, mais ça va, j'ai rien perdu et surtout le monde n'a pas craché, donc j'ai vite fait. Euh, Je vais vite faire une sauvegarde après vous euh, vous avoir quitté. Bah écoutez, j'espère que l'épisode vous, vous a intéressé. Euh, c'est vrai que c'est un peu redondant, ça fait deux épisodes qu'on passe à gérer ces, ces fichus problèmes d'énergie. Donc là, on a quand même commencé à faire le tour, d'autant plus que si les MFSU sont chargées ici, c'est parce qu'elles sont également toutes chargées au niveau du centre de, de téléportation. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va se retrouver, euh, prochain épisode je pense devrait arriver assez vite puisque je suis en vacances. Euh, et il va surtout être temps de reprendre un peu nos, nos fabrications, donc transformation du bois et puis surtout la, la chaîne de traitement du minerai. Euh, et vous allez pouvoir découvrir d'ailleurs dans un des prochains épisodes euh, comment on utilise les... Les tuyaux en émeraude et les buffers. Euh, très intéressant pour faire de, du craft automatique. Voilà, bah écoutez, un petit pouce vert, un petit commentaire, c'est vous qui voyez. Euh, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Salut les amis. Ciao bye bye